Le projet Nathan, c'est vraiment là, de faire une révision de la façon dont on fait la sécurité routière en autobus avec les enfants. Ça va vraiment vite. Là. Les gens roulent plus que la vitesse permise. C'est connu. Là. Un peu tout le monde le fait. Fait qu'on peut pas se fier à ça. Je pense qu'en haut de 70 km/h, en fait, on devrait avoir les enfants qui traversent, ben, qui traversent pas. On devrait les débarquer du bon côté. Et sinon, un brigadier, là, si on peut vraiment pas faire de route qui fonctionne. Il y en a plusieurs qu'on a proposé. C'est aussi d'avoir des caméras dans les autobus pour donner des contraventions à ceux qui respecteraient pas les lumières, les stops des autobus. Puis moi, je pense que ça s'autofinancerait avec l'étiquette qu'on pourrait donner, parce que même ici, avant que Nathan se fasse heurter, il y a quelqu'un qui m'a dit que ça faisait déjà deux voitures qui passaient sur les autres arrêts, là, quatre arrêts plus haut, là, c'était déjà arrivé. Regardez, là, j'ai déjà eu des gens qui m'ont amené les règles de l'Ontario, qui sont beaucoup plus grandes que celles du Québec, fait qu'on va se pencher là-dessus, ce qui pourrait être applicable ici. Et on a aussi des règles de la CNESST concernant les éboires qui sont plus grandes que les règles qu'on a pour nos enfants en autobus scolaire. Par exemple, un éboire ne peut pas traverser une route à plus de 80 km/h pour aller chercher les poubelles de l'autre côté. Ce qu'on se dit, c'est pas que les éboires ont besoin d'être moins protégés, mais au contraire, nos élèves ont besoin d'avoir au moins les mêmes règles qu'un adulte qui a plus de chances de regarder du bon côté et de pouvoir réagir et tout ça, là.